La mode n'est qu'un éternel recommencement. Après le retour du corset ou du style 70s. Un jean ultra tendance il y a 20 ans est la pièce à avoir en cette rentrée. On vous dit tout sur ce vêtement que vous pensiez banni à jamais des garde-robes. Et oui, le jantail basse est bel et bien de retour. La pièce préférée de Kim Kardashian et Paris Hilton dans les années 2000 vient habiller nos fesses en cette rentrée. D'abord aperçue sur des fashionistas comme Bella Hadid, Kendall Jenner ou Hailey Bieber. Ce pantalon en dénime est devenu en quelques mois la pièce favorite des cool kids à la recherche d'une silhouette différente et séduisante. En effet, que ce soit en version baggy, moulante ou bocu, ce jean qui tombe pile en bas des reins est la pièce audacieuse à porter pour un look ultra sexy. Mais comment bien le porter quand on est habitué aux pantalons taille haute depuis des années? Suivez le guide. Porter un jean taille basse peut être un choix périlleux. Ne vous inquiétez pas, grâce aux conseils de voici. À vous le look de star avec ce dénime tendance. Pour les fans de streetwear, misez sur une silhouette baggy ou boiffrien. Avec un jean oversize. Succomber pour une des paires de baskets les plus cools du moment et finaliser avec un top moulant afin d'éviter le total look XL. Pour un style plus séduisant, on se tournera vers un bocu moulant au niveau des fesses et des cuisses. Ce genre sera idéal avec des mules, un sac baguette et un corset si vous aimez les looks ultra féminins des années 2000. Enfin, au quotidien, on mise sur un jean taille basse droit associé à une blouse ou une chemise blanche et des mocassins noirs à plateforme. Un uniforme sérieux et canon pour la rentrée. Et vous, pour quel jean taille basse allez-vous craquer ?